mes chéris, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Là, aujourd'hui, je vous apporte une astuce. Ne partez pas, c'est tout de suite. Bien avant de commencer, voilà mes chéris, à vous parler de cette astuce. Je tenais aussi à vous rappeler le jeu concours. Commentez massivement, voilà, mes toutes dernières vidéos, voilà, parce que nous sommes dans le mois de décembre. Et l'extraction se fera dans peu de temps et je vous informerai d'un peu de tout. Voilà, vous devez être abonné à ma chaîne YouTube, abonné à la chaîne YouTube de la marque Inoya. Et vous devez commenter toutes mes vidéos, toutes les dernières vidéos. Donc là, mes chéris, que vous soyez partout dans le monde entier, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez tranquillement participer à ce jeu. Restez connectés, vous aurez plus d'informations dans les tout prochains jours. Voilà mes chéris, nous allons commencer par parler du sujet du jour, les vertus et les bienfaits de l'eau de coco. La noix de coco, connue dans le monde entier, provient pratiquement du cocotier qui est l'arbre qu'on trouve le plus souvent dans les régions tropicales. La noix de coco est un fruit complet car de celle-ci on peut extraire de l'huile avec la chair, voilà. De cette chair-là qui est toute blanche, vous pouvez extraire de l'huile de coco. Avec aussi la coque, voilà, qui est toute la couverture dure, marron, l'on peut obtenir le charbon activé. Voilà, comme vous le savez, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, plus ou moins des vertus et des bienfaits du charbon activé. Voilà, le charbon activé va venir vous aider à purifier votre peau de tout ce qui est impureté, va atténuer tout ce qui est production de sébum. Si vous avez une peau à problème, une peau mixte, une peau grasse, ça va beaucoup vous aider. Ça va aussi vous aider à blanchir les dents, voilà, bien évidemment. Et ça va faire du bien à votre haleine. Donc déjà, pour moi, ces deux éléments-là prouvent que la noix de coco est un élément complet. Voilà, mais on ne va pas seulement s'arrêter là. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que l'eau de coco contient aussi des éléments assez importants, des vertus et des bienfaits qui vont faire du bien à notre organisme. L'eau de coco est une boisson claire qui est parfois incolore, voilà. Et cette eau, au fur et à mesure que le fruit commence par mûrir, va se transformer en chair, voilà, qui est cette chair-là blanche. Il en restera bien évidemment un tout petit peu dans la noix de coco. Et cette eau-là que vous aurez dans la noix de coco, ça sera un indice, voilà, qui va aider à déterminer si la noix de coco est plus fraîche ou pas, voilà. Juste en remuant la noix de coco, plus vous allez sentir la présence de l'eau, voilà, dans la noix de coco quand vous la remuez, plus vous allez comprendre que la noix de coco est fraîche. Si vous n'entendez pas, voilà, l'eau qui bouge dans la noix de coco quand vous la remuez, sachez que cette noix de coco que vous avez dans vos mains n'est pas fraîche. Et ça se trouve qu'elle n'est pas aussi de bonne qualité et vous risquez d'avoir des surprises. L'eau de coco est énergisante, hydratante, rafraîchissante et plein d'autres choses. Elle a un goût sucré et délicat, ce qui va aider à bien vous désaltérer. L'eau de coco contient de nombreux nutriments, vitamines, minéraux et plein d'autres éléments. L'eau de coco est riche en vitamine C, vitamine B1, B5, B6, B7, B9 et plein d'autres vitamines. Elle contient aussi des minéraux comme nous avons le phosphore, le calcium, le potassium, le magnésium, le zinc, le sodium et plein d'autres minéraux.
L'eau de coco contient aussi des glucides, des protéines, des lipides, contient bien évidemment de l'eau. Je tenais aussi à vous préciser, mes chéris, que l'eau de coco contient peu de calories. Elle peut être consommée de façon interne et ou de façon externe. L'eau de coco peut être utilisée sur le plan cosmétique et médicinal. Sur le plan cosmétique, elle va aider à lutter contre les rides, les taches, l'acné, en tout cas tout ce qui est problème de peau. Et ainsi, elle va vous aider à avoir une peau radieuse, elle va aider à hydrater la peau en profondeur, ce qui va lui permettre d'avoir un éclat et une vitalité. L'eau de coco va aussi aider à avoir de beaux cheveux, voilà, elle va favoriser aussi la pousse de cheveux et hydrater en profondeur la fibre capillaire. L'eau de coco peut être utilisée sur le plan médicinal et elle peut aider à donner de l'énergie musculaire, ce qui est idéal surtout pour ces sportifs-là, ces personnes-là qui pratiquent du sport de manière intensive. L'eau de coco va aussi aider à perdre du poids, car elle contient, comme je vous le disais auparavant, peu de calories. Elle va aider à diminuer la sensation de faim, réduisant ainsi l'appétit. Cela peut être aussi assez intéressant, très utile pour ces personnes-là qui se trouvent dans un processus de perte de poids. Ça va beaucoup vous aider à améliorer la situation de perte de poids et dans le processus de ce régime-là que vous êtes en train de suivre. Et ça va vous aider à perdre beaucoup de poids. L'eau de coco va aussi aider à faciliter le transit intestinal, ce qui va aider à avoir une bonne digestion. Elle va aussi aider à stimuler le système immunitaire et va aider à améliorer la fonction rénale. Donc là, mes chéris, je tenais aussi à préciser une chose assez importante, c'est que vous devez faire attention à l'eau de coco que vous trouvez le plus souvent en commerce. Parce que ce sont des éléments qui ont été le plus souvent travaillés avec d'autres éléments qui ne sont pas tellement green. Voilà. Ils ont été ajoutés, il peut y avoir des rajouts d'éléments assez chimiques. Donc, il faut contrôler toujours. Je vous invite à contrôler tout ce qui est liste d'ingrédients sur toute eau de coco que vous allez trouver en commerce. Voilà, lisez toujours la liste des ingrédients, ce qui va vous épargner de plein d'éléments qui ne sont pas tellement green. Voilà, vu que vous ne vous trouvez pas dans une zone tropicale pour avoir accès à tout ce qui est cocotier et coco, noix de coco, je vous invite à être vigilant, voilà, sur tout ce qui est liste d'ingrédients. Voilà. Ou si vous avez la possibilité de pouvoir avoir tout ce qui est noix de coco assez facilement, voilà, il n'y a rien de plus naturel que de recueillir directement l'eau de coco de la noix de coco que vous aurez à portée de main. Et pour terminer, mes chéris, je tenais aussi à vous préciser que vous pouvez l'utiliser en famille. C'est une eau qui peut être utilisée par toute la famille. Voilà, elle est assez naturelle et elle va vous aider à vous sentir mieux. Mais en toute chose, comme je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, l'excès nuit. Donc il faut faire aussi attention, c'est pas parce que c'est naturel que ça ne pourra pas vous apporter des problèmes de santé. Donc faites attention, modérez l'utilisation et vous allez voir que ça va vous faire du bien. Donc là, mes chéris, voilà plus ou moins ce que j'ai voulu partager avec vous. J'espère qu'en tout cas, ça vous aura plu. Et si vous êtes une personne qui utilisait déjà l'eau de coco en soins cosmétiques et en d'autres éléments, on va dire comme ça, rafraîchissant, culinaire, essayez de laisser des commentaires pour partager avec nous sur cette chaîne toutes vos expériences pour aider ces personnes-là qui veulent aussi se lancer dans l'utilisation de l'eau de coco sur le plan cosmétique et sur plein d'autres plans. Likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si vous êtes passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que vous m'avez vu aussi pour la toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Abonnez-vous aussi à mes réseaux sociaux. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.